Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est lundi 1er décembre. Je m'excuse d'avance du son de la vidéo, je préfère le dire directement. Dans le sac de Seb hier qu'on s'est fait voler, il y avait entre autres parmi toutes les affaires notre micro Rode qui s'accroche, qui se met sur notre iPhone. Donc du coup il n'y a plus de micro, ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on rachète. Aujourd'hui c'est une belle journée. C'est les 4 ans de Tiki, donc on va vraiment essayer de se concentrer là-dessus et essayer de faire abstraction de tout le reste. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés de soutien et de conseils par rapport à la vidéo d'hier. Ça nous a en quelque sorte un peu apaisé. Ça ne changera rien, ça ne ramènera pas nos affaires. Ça ne fera pas revenir tout l'argent qui s'est envolé en une seconde. Et puis le traumatisme psychologique, mais voilà, disons qu'au moins ce sera une bonne chose de faite. Disons qu'au moins voilà, ça nous a fait du bien de nous sentir soutenus. Et voilà, du coup je voulais vraiment vous en remercier. Vous avez été énormément à nous dire, faites une cagnotte. Honnêtement, je sais vraiment pas. On s'était dit on fera pas de cagnotte, c'est vrai que vous avez été tellement à nous le demander. Honnêtement, on sait pas du tout. Si on en fait une, on vous le dira, mais... Petite pause dans la vidéo, parce qu'en fait, entre le moment où j'ai tourné cette séquence, donc du coup, le 1er décembre au matin, et aujourd'hui, on est le 2 décembre au soir, relativement tard, et où je vous termine le montage, on a finalement pris une décision, et en fait, c'est des discussions avec plusieurs compagnons de longue date, et dont une particulièrement, qui nous ont amené à changer d'avis, parce que comme je le disais dans la vidéo, on n'était vraiment pas chaud à l'idée de le faire. Et en fait, comme vous pouvez le voir là, juste sur la gauche, avec un petit extrait de la conversation, beaucoup nous ont conseillé en fait de le faire, parce qu'en effet, il y aurait plein de gens qui ne se sentiraient pas concernés par le fait de nous aider, et c'est tout à fait correct avec ça, on n'a vraiment absolument aucun problème, on respecte les gens qui aident et ceux qui préfèrent ne pas, il n'y a vraiment absolument aucun souci, mais comme ça nous a aussi été plusieurs fois répété, c'est que même si tout le monde ne veut pas nous aider, et ben que nous à notre échelle en fait, on aide aussi beaucoup les compagnons depuis des années gratuitement, sans jamais rien attendre en retour, et que... ça fait aussi beaucoup de bien dans les vies de pas mal de personnes et que du coup, même si tout le monde ne participe pas, il nous était demandé de laisser au moins ceux qui tenaient à nous aider le faire. Donc on a décidé d'ouvrir cette cagnotte avec une durée limitée, un montant plafonné et donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'ouvrir. On n'en parlera pas plus que dans cette vidéo et ce qu'on a fait une story sur Instagram, ça s'arrêtera là. Mais si vous êtes sensible à ça, ben voilà, du coup, on vous met le lien dans la description. Si vous n'y êtes pas sensible, il n'y a absolument aucun problème. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Allez. C'est sûr qu'on va avoir besoin de racheter tout ça parce que c'est tout notre matériel de boulot. Et que si on ne fait pas de cagnotte, c'est certain que ça va prendre du temps à tout racheter. Dans tous les cas, je pense que ça prendra du temps à tout racheter. On n'a pas encore défini. Mais voilà, donc du coup, je voulais terminer... sur cette parenthèse d'intrusion dans notre vie, on espère juste que voilà, aucune des données ne sera diffusée. Et ça, pour ça, on a juste à prier. Donc voilà, prions. Et puis voilà, du coup, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Titi. Donc on va bien en profiter. On va aller rejoindre des gens qu'on apprécie beaucoup. Et ça va nous faire du bien, du coup, de se concentrer là-dessus. Je n'en reviens pas que notre petit bonhomme est déjà 4 ans. 4 ans. Mais voilà, ça devient un petit garçon... hyper intéressant, en plus d'être un petit garçon adorable comme il l'a toujours été. Donc voilà, je suis très contente, on va vous faire vivre cette journée avec nous. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire du daily vlog pour le mois de décembre, ça serait cool. Alors c'est sûr que ce sera des vidéos beaucoup plus simples et du coup en plus comme on a beaucoup moins de matériel, ça va être encore plus simple que ce à quoi j'avais pensé. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait plaisir et puis voilà, bon sur ce, allez c'est parti, une nouvelle journée commence et il faut se concentrer là-dessus. Il est dans la chambre de ma
de papa et maman mon cadeau. Bah bon, t'es sûre de ça? Oui. Moi, je suis pas sûre, moi. Moi, je suis sûre. Qu'est-ce que c'est? Le calendrier. Oh oui. Calendrier de quoi? Oui. Je veux l'ouvrir, est-ce que je peux, maman? Alors, oui. Alors. Devine, c'est en bas, mais devine lequel il faut. L'année dernière, en fait, je leur ai fait un cahier. Enfin, l'année dernière, il y a même les deux dernières années, un calendrier de l'avant des activités. Sauf que cette année, j'étais totalement débordée. Et du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, papa ramener un calendrier de l'Avent Playmobil. Les enfants sont fous de Playmobil. C'est vraiment leur truc vraiment à fond. Donc du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée. Alors, il est où le numéro 1? Titi cherche. Oui. Oh, il y a quelle lettre dessus? P. Donc qui est-ce qui doit ouvrir? Moi. Non, on a le petit déj encore, on n'a pas encore déjeuné. Non, c'est ici. Allez, vas-y mon minou. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le Playmobil. Il y a quoi? Vas-y, sors-le. Sors. Oh, attends, du plastique. Ah oui, les bonhommes de Playmobil. Hein? Il est vraiment excellent. Bravo, papa, Minette. Papa Vicon, j'ai deux vélos. Appuie. Ici? Oui. Voilà. Fais. Non. Regarde, il te montre elle. C'est un dos. Non, Eleanor, t'appuies sur un ré, là. Changement de décor, on vient d'arriver chez nos amis Aurélie et Yann, et du coup ils nous avaient proposé qu'on fasse l'anniversaire de Titi ici. Donc du coup je m'apprête à installer toutes les affaires, les loulous sont en train de jouer à la piscine, c'est super cool. On a un temps plutôt agréable, c'est assez sympathique. Moi j'ai un méga migraine de fou furieux, je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'il faut que je boive, et je pense aussi qu'il y a un peu toutes les émotions mêlées qui font ça. Mais bon, voilà, il y a toujours pire, c'est ce qu'on essaye de se répéter. Parce que c'est le cas, c'est réellement le cas. C'est juste que ça affecte beaucoup, et puis voilà, donc il faut juste passer au-delà, et puis dire que... voilà. Donc bon, sur ce, on va lui préparer une jolie petite table avec un joli petit coin. Il est super content d'être ici. En plus, je suis très très contente parce que du coup... il y a Lilo qui est là pour l'anniversaire, et puis il y a aussi j'ai une amie en fait que j'avais rencontrée quand j'étais enceinte de Titi, qui attendait aussi sa première quand j'attendais Titi, et que j'aime beaucoup, et en fait il s'avère qu'elle est là en ce moment sur la rivière Amaya. Donc du coup Seb est parti la récupérer avec ses loulous, et puis comme ça on aura 4 grands et 2 petits bouts, et puis voilà, ça va être une chouette après-midi. J'ai bien hâte de la vivre et puis de vous la partager aussi. Voilà. Costaud cette piñata, elles sont pas toujours comme ça, franchement il faut demander une robuste. Et là j'ai demandé une costaud et ils ont mis une super costaud. Super costaud.
Du coin de Playa. C'est un gâteau made in la Casa Loca. C'est ça. Oui. Je suis pas faite pour fumer. En Bretagne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, Timothy. Joyeux que j'étais petit. Du coup, tu t'es fait plaisir, quoi. Bon, ça y est, la journée touche à sa fin. C'était chouette. On a passé un bon moment. L'eau était trop bonne. Les loulous se sont régalés. C'était vraiment, vraiment chouette. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, c'est toujours agréable après de sortir et de penser à plein de choses. Donc, on a vraiment passé un super, super moment. Je pense pas que la vidéo sera aussi ouf que ce qu'on avait prévu de faire, évidemment, du coup pour Titi, comme on l'a fait pour Eleanor en fait. Mais voilà, ça nous fera quand même un beau souvenir. Et puis le gros avantage, on en parlait, c'est que voilà, même si on a perdu beaucoup de choses, on a la chance, parce que je considère vraiment ça comme une chance, c'est de poster des vidéos et des photos sur des réseaux sociaux qui aujourd'hui nous permettent de ne pas avoir tout perdu. Et donc c'est précieux et c'est pour ça qu'on va vous publier ce vlog et qu'on le gardera encore pour nous pendant plusieurs années. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et puis on vous retrouve dans la prochaine vidéo et vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.